Mettre 10 dollars dans un meme coin, jour 8. Bon, hier, j'ai pas posté, mais aujourd'hui, je vais faire le jour 8 et le jour 9. Et effectivement, hier, j'ai eu une sacrée performance du côté de MAD qui a pris plus 56% depuis mon achat. Donc, j'en suis extrêmement content, mais ça rattrape pas le rug des moins 10 dollars du premier jour, moins 100%. C'est pas grave, aujourd'hui, on est au jour 8 et donc, nouveau meme coin. Et juste avant de te proposer le nouveau meme coin, n'oublie pas de me follow objectif 10K sur Insta. Aujourd'hui, je vais aller chercher dans le très très large market cap, 900 millions de market cap du nom de Popcat. Ce meme coin, ça fait plusieurs jours, en fait, depuis le début du challenge, j'attends une réelle baisse. Malheureusement, celle-ci, elle n'arrive pas. Donc, je me dis, là, je suis un peu en train de FOMO. C'est-à-dire que j'ai un peu peur de rater la hausse. Je vais quand même l'acheter, mais c'est vraiment pas quelque chose que je te conseille de faire. Popcat, ça fait depuis à peu près ici que j'attends la baisse. Elle n'arrive pas. En plus, il est déjà 87e du classement de toutes les crypto-monnaies. Je me dis, bon, allez, je vais l'acheter. De toute façon, c'est 10 dollars. Donc, au pire, si ça baisse suite à l'énorme hausse, ce sera pas terrible. Et si ça monte, je suis dedans. Et donc, voilà à quoi ressemble mon wallet. Et si tu veux me proposer, eh bien, un autre meme coin pour le jour 9 que je vais poster dans la journée, je t'invite à le dropper dans les commentaires.